Alors bonjour, ici de l'âme qui vous parle. Il me fait plaisir de renouer avec vous après un très grand moment d'absence en ce 24 mai 2016 pour des vidéos que je veux vous faire assez de façon plus régulière. Alors je dois m'excuser à ceux qui m'ont écrit dans les derniers mois et pour me demander qu'est-ce qui se passe. J'imagine j'ai des questions du genre, as-tu abandonné ton ministère? Que se passe-t-il avec toi? J'espère que tu vas bien. Des prières, peu importe. Il s'agit effectivement dans ma vie de l'épreuve d'une vie, d'une succession de très graves problèmes qui me sont arrivés un après l'autre, en incluant une séparation, en incluant des pertes d'emploi, tout en même temps, en incluant de me trouver un emploi qui finalement devait s'avérer être une fraude, dans laquelle il y avait une grande pièce de théâtre pour des détournements de fonds. Plusieurs personnes ont été prises là-dedans, dont moi, j'avais vraiment pas besoin de cela. Et n'eût été de l'aide que vous m'avez donnée, eh bien, je peux vous dire que je ne serais même pas là en train de vous parler. Donc, le temps ou le timing est excellent. Vous êtes à voir que les choses avancent très rapidement actuellement. Nous avons beaucoup, beaucoup de données au niveau des changements planétaires, des données au niveau des changements politiques, des changements ou des virages pris par les divers gouvernements de ce monde. Et nous en allons très rapidement vers ce qu'on appelle la période des tribulations. Et la raison pour laquelle, au mois de septembre l'année passée, il n'y a pas eu d'enlèvement, eh bien, il y a seulement une possibilité. Le signe du mois de septembre devait annoncer le début, la dernière pièce maîtresse à mettre pour l'élite pour en arriver à établir leur nouvel ordre mondial. Et le nombre de jours, eh bien, doit être calculé. Et on peut voir que depuis la visite du pape à New York l'année passée, aux États-Unis, au mois de septembre justement, il se passe énormément de choses dans le monde. On a une accélération des événements et il faut tenir bon parce que l'enlèvement, ou si vous voulez, l'arrivée des tribulations doit être très, 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 très proche. On regarde les recherches que Claude Inierski a fait. Est-ce que je peux trouver des défauts ou des problèmes reliés aux Écritures et à l'interprétation qu'il a faite du nombre de jours qui sépare entre la prise, si vous voulez, le retour des Juifs à Jérusalem et la désolation et l'annonce de la reconstruction de la ville de Jérusalem, eh bien, et qui nous menait au mois de septembre, eh bien, moi, personnellement, je ne peux pas voir vraiment de problème relié à cela. La seule option, encore une fois, c'est que le Seigneur nous disait qu'à partir de ce moment-là, il nous enverrait, il commencerait le jugement. Et on verrait à ce moment-là des événements pour un certain nombre de jours se dérouler devant nos yeux, nous annonçant son retour imminent. Alors donc, en résumé, pour tous ceux qui m'ont donné de l'aide financière récemment, vous allez recevoir un message, je ne vous ai pas oublié, tout est compilé. Pour ceux qui m'ont écrit des messages d'encouragement et qui n'ont pas eu de réponse de ma part, vous devez savoir que je devais absolument reprendre mes forces et me concentrer sur les choses personnelles que je devais régler premièrement. Ça a été toute une bataille. Et parce que le problème, c'est que à tous les jours, j'avais ces messages-là. Je me dis, il faut que je réponde, il faut que je réponde. Et pendant ce temps-là, j'étais incapable. J'avais trop de combats en même temps. J'étais incapable d'avancer. Je me suis dit, un combat à la fois. Je devais régler certaines choses. Je les ai réglées un après l'autre. Et maintenant, me voici de retour. J'ai réussi à trouver un emploi qui est un petit peu insuffisant à mes besoins pour l'instant, mais je suis actuellement en discussion pour d'autres contrats. Donc, toute l'aide que vous pouvez m'apporter est toujours la bienvenue, mais sachez que je vais rester au poste parce que mon but premier, évidemment, c'est qu'il fallait que je garde un contact avec mes enfants. C'est très, très important pour moi. Et garder l'endroit où je suis pour pouvoir continuer à faire ces vidéos-là, tout l'équipement que j'ai qui m'est nécessaire à la production de ces vidéos-là. Et pour l'instant, ma situation est beaucoup moins précaire qu'elle ne l'a été. Et
Le timing, comme je vous ai dit, est excellent parce que j'ai de l'information extraordinaire à vous donner. Et cela m'amène à vous dire, j'ai récemment visionné des vidéos d'un monsieur qui s'appelle Joël Nadon. Je vous donnerai quelques liens de ses vidéos. Il montre des facettes différentes de ce que j'ai montré, des choses qui se produisent et qui viennent actuellement. C'est des vidéos très bien montées, c'est extraordinaire. D'ailleurs, je vais lui écrire un mot d'encouragement. J'ai reçu aussi certaines vidéos de nos frères Elix sur des vidéos qu'il génère à partir d'un ordinateur et de la ceinture d'Orion. C'est époustouflant. Ils ne trichent pas parce qu'ils font générer l'ordinateur à partir du positionnement des étoiles d'Orion. Et en générant plusieurs dimensions, ils arrivent à trouver des images qui correspondent aux écritures de ce qui vient, surtout après le millénium, lorsque les cieux vont être rebâtis. Donc, c'est extraordinaire de ce côté-là. Et maintenant, j'enchaîne immédiatement avec l'information que je vais vous donner, qui est la suivante. Alors, j'enchaîne sans plus tarder l'information que je vais vous donner dans cette vidéo. Alors, nous avions vu la reine du Midi se levant des extrémités de la terre de Matthieu 12, 42. On va le retrouver ici, Matthieu 12, 42. Alors, c'est là qu'on voit que la condamnation, le jugement arrive sur le monde. Alors, l'hypothèse qui avait été faite, c'est que ça pouvait correspondre à l'enlèvement, mais ça pouvait correspondre aussi à un changement radical des événements mondiaux. Et ça, depuis le mois de septembre l'année passée, on voit vraiment des changements énormes. On voit ici que le Seigneur lui-même dit: Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent: Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Il leur répondit: Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas, car de même Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson. De même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Il faisait référence à sa crucifixion, sa mort pour 3 jours et 3 nuits. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement. Alors, au jour du jugement, ici, ça c'est très, très, très important. Le jour du jugement, c'est une journée où on entre dans les tribulations. Et avec cette génération, ils la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédiction de Jonas. Il fait un parallèle aux hommes de Ninive, ceux qui ont été repentants et qui se sont soustraits aux calamités qui venaient sur cette ville. Donc, avec cette génération, ils la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédiction de Jonas. Et voici, il y a plus que Jonas. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement. Il le répète encore, il le spécifie. Je vous dis ça parce que j'ai reçu une critique d'un auditeur qui me disait que la reine du Midi, que ça n'avait rien à voir avec un alignement astronomique. Alors que je vous ai montré, déjà je ne reviendrai pas là-dessus, l'alignement parfait astronomique qui a eu lieu à la fête des trompettes en septembre 2015. L'alignement était parfait avec Saturne, pas Saturne, mais Vénus en place, la Terre et la Lune qui couronnaient la Vierge. Virgo, la constellation de la Vierge, juste au-dessus de sa tête, en cette date précise, et qui correspond vraiment à tout ça ici. Je vous ai parlé aussi qu'une reine du Midi ou une femme qui se lève des extrémités de la Terre, elle vient des extrémités de la Terre. Donc, ici, on a des indications d'un mouvement astronomique, mais ce qui est surtout le plus important, c'est que, bon, cet auditeur-là m'avait parlé de la reine de Saba. On la voit dans 1 roi 10. La reine de Saba a pris la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. Donc, je ne veux pas rentrer dans cette histoire-là ici en détail, mais on est d'accord que cette reine de Saba-là, Saba, a vécu durant le temps de Salomon. Et alors, il est impossible qu'elle revienne à la vie et qu'on la revoie au jour du jugement. Donc, il est clair qu'il y a effectivement une référence à la reine de Séba, par la parole du Seigneur ici, mais elle vient de l'Égypte, et donc Isis,
comme je vous ai montré dans l'alignement astronomique, la reine Isis vient aussi de l'Égypte. Et on parle ici au jour du jugement qui se produit dans un futur proche, parce qu'on n'est pas encore arrivé manifestement au jour du jugement. On n'est pas entré dans les tribulations encore, mais on voit toutes les prophéties relatives à l'Apocalypse se manifester devant nous. Les nouvelles sont extraordinaires, je vais vous en donner plein. Et suite à cette vidéo-là que je vous présente, on va embarquer dans l'information que j'ai sur Planet X, qui date du mois de septembre, octobre et novembre dernier, des observations que j'ai faites avec une personne dont je ne donnerai pas l'information, mais cette personne-là est complètement disparue. J'ai un silence total, silence radio total. Cependant, j'ai encore des photos qu'on m'a transmises de l'objet qu'on a observé. Et ce qui est extraordinaire, c'est que récemment, des observateurs autres sur la planète Terre ont observé le même objet. L'objet a une signature tellement spécifique qu'on ne peut pas la confondre avec un autre objet. Et vous allez voir qu'il y a d'autres personnes qui l'observent actuellement. C'est un objet qui va et vient et qui tourne alentour, qui est probablement la fameuse planète Nibiru, le plus gros des satellites de l'étoile de Planétique, si vous voulez, de l'étoile de cette naine brune-là. Donc, ce satellite-là, le plus important, va et vient et peut être observé et observable, dépendamment des conditions et des temps de son positionnement. Alors, cet objet-là a été observé. J'ai deux autres photos, peut-être même trois autres, qui viennent confirmer la quatrième que moi j'ai pris de cet objet-là et de d'autres objets. Donc, on va rentrer un petit peu plus avec ces informations-là un peu plus tard. Donc, je vais y revenir. Et donc, au jour du jugement, elle va venir avec cette génération pour la condamner. Il aurait été possible qu'au moment de la manifestation dans les cieux de cette partie-là des Écritures données par Jésus-Christ, qu'on entre et qu'on ait été enlevé et que les tribulations aient débuté, et de façon évidente, ce n'est pas le cas. L'enlèvement n'a pas eu lieu. Par contre, on voit un changement de paradigme, on voit un changement énorme depuis le mois de septembre l'année passée, depuis cet alignement-là de tout ce qui se passe dans le monde, et c'est en sans cesse augmentation. Donc, c'est pour juste faire un petit parallèle ici, pour venir là-dessus, pour vous mettre dans le contexte de ce que j'avais donné comme information. Et on avait vu aussi, on va retourner ici, que dans la balance, on voit que c'est souvent dans la balance qu'il y a un début de condamnation aux yeux de Dieu. Alors, on voit ici, on parle de calamité dans la balance dans Job 6.2. On parle ici, attendez un instant. Les petits ne sont que néant, les grands ne sont que mensonges. Placés dans la balance, ils seraient tous ensemble plus légers que le néant même. Donc, on nous dit que c'est à partir de la balance, ou c'est dans la balance, que la condamnation ou le jugement, parce qu'il balance les petits et les grands, et il les met dans la balance pour un jugement. On le voit ici dans les psaumes 62-10. Alors ici, la balance fausse est en abomination à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. La balance et le poids juste viennent à l'Éternel, et tous les poids du séchet sont son œuvre. Donc, voyez-vous, c'est lui qui balance ou qui pèse le poids de chacun de nous, spirituellement et dans nos œuvres. Et le double poids est en abomination à l'Éternel, et la balance fausse n'est pas bonne chose. Et je vous avais montré aussi le dernier mouvement rétrograde à se faire dans la balance. On va revenir à cette information-là ici, avec Saturne. Justement le but de cette vidéo-là. Et toi, fils de l'homme, prends une épée tranchante, prends un rasoir de barbier, prends-le et fais passer sur ta tête et sur ta barbe, et ensuite une balance à peser et partage ce que tu auras coupé. Alors donc, on voit ici une série de vidéos dans lesquelles on a ici un jugement. Je vais vous en donner un dernier dans Amos 8.5 qui dit: quand la nouvelle lune sera-t-elle passée? Et en passant, la nouvelle lune, c'est justement ce qu'on avait.
au mois de septembre, l'année passée, à l'alignement de la Reine du Midi, c'était une nouvelle lune qui, elle, était sur la tête de la Vierge, si vous voulez.